On avait 25 ans, 27 ans. C'était Saint-Germain-des-Prés. On avait trouvé un appartement, là, rue Saint-Benoît. C'est là que tout ce qui est arrivé de décisif dans notre jeunesse, dans nos sentiments, dans nos croyances, dans notre folie. C'est là que c'est arrivé. Tous, on était pour ce qu'on ne connaissait pas encore, derrière la puissance politique du peuple. On est devenu fou de communisme. On disait que le peuple avait le droit de décider quelle serait sa lutte. C'était des choses à la fois très, très élémentaires et très dangereuses et merveilleusement jeunes et profondément vraies. Alors, comme d'habitude, on n'a pas écrit là-dessus. On n'écrit pas sur le bonheur. Malgré la peur, on était quand même dans le bonheur. Ce que j'appelle comme ça, facilement, j'entends le bonheur politique. De faire ce qu'on devait faire. C'est une sorte d'assemblage de mouvements divers. Et de chacun de ces mouvements étant personnel. On n'est pas venu des cellules du PC, des mouvements anti-gaullistes ou des mouvements trotskistes. On est venu de là où on était. C'est-à-dire politiquement nu, vierge. Et on a formé ce groupe. Et il a été fort à cause de ça. De cette origine qui n'était pas une débandade. Qui n'était pas une sorte de trahison du Parti communiste ou du Parti... n'importe quoi de merde quelconque. C'était un pur mouvement de l'esprit, je pense, surtout. Qui devait être commune à beaucoup, beaucoup de gens. Mais que les gens ignoraient porter en eux. Et nous, nous l'avons deviné parce que nous étions nombreux et que nous pouvions échanger des idées. Voilà. Dionys Mascolo, dans quelles circonstances faites-vous connaissance de Marguerite Duras ? J'ai fait sa connaissance à la commission de contrôle du papier d'édition. J'étais chez Gallimard depuis peu de temps et pour obtenir du papier, il fallait soumettre les manuscrits au syndicat des éditeurs où se trouvait la commission de contrôle. Voilà, c'est ainsi que je l'ai connu. Les éditeurs devaient soumettre les manuscrits qu'ils avaient l'intention de publier à des lecteurs de cette commission de contrôle qui n'était pas, à ma connaissance, ni à celle, je crois, de Marguerite, une commission de censure. En tout cas, jamais aucun des manuscrits présentés par moi pour les éditions Gallimard, n'a été refusé. Simplement, les présenter prouvait qu'ils avaient été lus, donc, et compromettaient éventuellement le syndicat des éditeurs dans le cas où il serait agi de quelque chose de subversif, par exemple. Ce dont les éditeurs se gardaient bien, puisqu'ils s'auto-censuraient très soigneusement. Et Marguerite avait quelle fonction précisément dans cette commission ? Elle était la secrétaire, c'était elle qui distribuait aux lecteurs les manuscrits, voilà. Vous-même, vous travaillez chez Gallimard à cette époque-là, qu'est-ce oui. que vous y faisiez ? Oh,
je n'avais pas une fonction tout à fait définie. Je participais au comité de lecture sans être un lecteur attitré. Bien que Gaston Gallimard se soit amusé parfois à me questionner pour... Parce que, en privé, j'avais, quelques jours avant, par exemple, critiqué certains livres dont des lecteurs tout à fait prestigieux, comme Paulhan, par exemple, avaient fait l'éloge. Alors, il s'amusait à me compromettre dans ce sens-là. Vous voyez, j'étais très jeune, naïf, et Gaston Gallimard s'amusait volontiers. Après cette première rencontre avec Marguerite Duras que vous avez évoquée, vous allez la revoir à plusieurs reprises. Vous aviez des passions communes, la littérature? Oui, on peut dire la littérature, oui. Oui. D'ailleurs, j'apportais des manuscrits de Gallimard, je soumettais des manuscrits de Gallimard, et bientôt, un peu parce que j'étais très pauvre et pour me faire gagner un peu d'argent, elle m'a elle-même fait lire des manuscrits, surtout de poètes, qui lui étaient soumis par d'autres éditeurs. Claude Roy, comment avez-vous rencontré Marguerite Duras sous l'Occupation? J'avais écrit un petit recueil de poèmes. Et j'étais à cette époque édité par René Julliard. Alors j'ai dit à Julliard, j'écris un livre de poèmes. Et il m'a dit, mon vieux, oui, c'est une bonne idée, mais j'ai pas de papier, moi, pour la poésie. Vous savez, c'est le papier est rare aujourd'hui. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il me dit, il y a une dame de Nadieu qui, je crois, est gentille. Elle donne le papier au cercle de la librairie. Vous pouvez aller la voir. Alors, j'ai été sonné à la porte de cette dame de Nadieu. C'était une toute petite bonne femme, ravissante, avec ce côté très, très pointu comme ça qu'elle a gardé. D'ailleurs, elle m'a regardé les yeux dans les yeux, elle m'a dit « Ça parle de quoi, vos poèmes ?» Je lui ai dit, un peu intimidé, puis je voulais surtout obtenir le papier, je lui ai dit « C'est des poèmes d'amour. » Elle m'a dit « Vous aurez votre papier. » Alors, comme ça avait bien débuté, on a été prendre un café, un faux café au coin, et je l'ai trouvé vraiment de plus en plus sympathique. Et après cette première rencontre, d'autres rencontres ont suivi? D'autres rencontres ont suivi parce que, oui, elle, je crois qu'on s'est bien entendu. Je la faisais rire, elle me trouvait un peu idiot. Elle me faisait sourire, je la trouvais charmante. Alors, oui, on s'est revus. Et puis, on a eu une période à la fin de l'occupation où moi, j'ai un peu plongé, j'étais plus à Paris, là je l'ai perdu de vue et puis je l'ai retrouvé à la Libération. Comment s'est déroulée votre première rencontre avec Robert Antelme? J'ai un souvenir comme un instantané photographique de lui du côté du Bon Marché, du square qu'il y a devant le Bon Marché. Il avait un chapeau à bord roulé. Il me semblait un monsieur, alors que nous étions du même âge, à quelques mois près. Mais je ne me souviens pas du tout de ce que nous sommes dit. Pas du tout. Marguerite Duras a-t-elle joué un rôle particulier dans cette rencontre avec Robert? Eh bien... Oui, je la connaissais depuis au moins 6 mois. Et elle était très désireuse que je fasse la connaissance de Robert. Je crois que je vous l'ai dit, ils s'étaient mariés en hâte au moment de la déclaration de guerre. Ils ne formaient pas couple, l'un et l'autre avaient des liaisons extérieures. Bon. Mais ils avaient l'un pour l'autre une amitié, une admiration sans borne. Et très vite, Marguerite a désiré que je fasse l'épreuve de faire connaissance de Robert. Elle nous a mis en contact
en s'effaçant d'ailleurs de façon admirablement discrète pour nous laisser vraiment faire pleinement connaissance. Voilà. Elle n'a jamais, cette attitude ne s'est jamais démentie chez elle. Elle n'intervenait nullement entre nous, elle nous laissait, et l'amitié s'est faite entre nous, vraiment très fervente. Il a été immédiatement, de très loin, mon meilleur ami, mon seul ami. J'aimerais que vous nous disiez comment il était dans la vie de tous les jours, comment il se comportait. Dans la plus grande simplicité, la plus grande authenticité, je veux dire, sans la moindre affectation d'aucune sorte, ni littéraire, ni intellectuelle. Si vous voulez, une chose, la chose peut-être la plus frappante du personnage, quand je l'ai connu, il m'a d'ailleurs, en quelque sorte, sans le savoir, éduqué. Il était un flâneur au sens baudelairien, vous voyez, un flâneur voyeur, et j'ai subi cette contagion, c'est-à-dire que nous pouvions marcher côte à côte en bavardant, tout en regardant ce qui se passait dans la rue, les gens passaient. Il était le parfait flâneur, en effet. Il l'a été jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. J'étais sa femme. On s'est mariés. On a milité ensemble. On s'est trompés. On s'est quittés. On ne s'est pas retrouvés. Il est mort. C'est lui qui a l'homme que j'ai connu, qui a le plus agi sur les gens qu'il a vus, qu'il a connus. De toute ma vie, c'est celui-là qui a été le plus important. Et quant à moi, et quant à tous les autres aussi. Je ne sais pas comment nommer ça. Une grâce. Peut-être. Il ne parlait pas. Il parlait. Il ne conseillait pas. Et rien ne pouvait se faire sans son avis. Il était l'intelligence même. Et il avait horreur du parler intelligent. Il était ami aussi avec Dionys. Mais Dionys n'était pas son enfant. Moi, j'étais son enfant. Je me souviens d'une phrase. Il disait qu'il supporterait tout, sauf qu'on me fasse du mal à moi. Et tous ceux qui l'ont connu, et qui m'ont connu aussi, doivent ressentir que j'étais là dans toutes les relations qu'il avait avec les autres, comme il était là aussi, lui, pour moi. C'est dommage que vous ne l'ayez pas connu. Même une fois. Même une heure. Même dans un bistrot.
Jacques-Francis Roland, dès votre adolescence, vous êtes happé par la politique. Est-ce que vous étiez prédisposé par votre formation ou vos origines familiales? Je crois beaucoup plus par l'époque même. J'avais 17 ans en 1939. Je venais de vivre la montée du nazisme tout jeune, et puis ensuite, un peu plus âgé, la guerre d'Espagne. J'ai lu les romans de Malraux, et ça je l'ai dit dans un de mes romans, que Malraux a été le meilleur recruteur du Parti communiste pour les jeunes gens de bonne famille de ma génération. Et il est vrai que dans ce fond de guerre d'Espagne, quand on lisait les romans de Malraux qui montraient l'héroïsme des communistes, aussi bien d'ailleurs en Espagne qu'en Chine, où ils étaient héros et martyrs, il y avait une fascination pour le communisme. Ensuite, la guerre est venue, la débâcle, les communistes étaient maudits. J'ai adhéré aux jeunesses communistes quand, à l'époque encore de la guerre impérialiste, avant l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai constaté le mensonge du parti qui stupidement niait cette ligne générale. Alors tout ça fait un ensemble qui... Alors, il y a eu aussi... sur le plan familial, oui, il y a tout de même un aspect, c'est que mon père a été fait prisonnier, il était officier mobilisé en 1939, et j'étais sans père. Étant sans Dieu, puisque je n'avais jamais eu d'éducation religieuse, à 17 ans, on a besoin d'un père et d'une mystique, d'une croyance, et le communisme a comblé ce vide. Et vous adhérez à ce moment-là dans la résistance aussi? Ben, c'est-à-dire, oui, j'ai donné mon adhésion aux jeunesses communistes, et puis là-dessus, l'entrée en guerre de l'Union soviétique a changé un peu le contenu politique, c'est-à-dire j'étais à la fois communiste et résistant. Et alors là, je résume brièvement une carrière assez modeste, si vous voulez, vu mon jeune âge. J'ai été responsable des techniques des jeunesses communistes dans l'Isère pendant 2 ans, puis ensuite je suis allé à Lyon, j'étais responsable aussi du Front patriotique de la jeunesse à la faculté des lettres de Lyon, et à ce titre d'ailleurs, j'ai été mêlé de très près aux états-majors de la résistance, puisque Lyon à cette époque était le carrefour de la résistance où se retrouvaient tous les dirigeants des mouvements comme Combat, Libération, Franc-Tireur, etc., et j'ai eu affaire avec eux quand, sous l'impulsion de Jean Moulin, les différents groupements de résistance ont pris contact et pour essayer d'unifier leur action. Enfin, non pas de se fondre, mais d'unifier leur action. Ensuite, en 1943, alors là, c'est là que j'ai travaillé pendant un an à Lyon avec Edgar Morin, nous étions condisciples à la Maison des étudiants. Et ensuite, en 1943, nous sommes passés dans le brouillard, comme on disait, c'est-à-dire on est devenus des résistants à part entière, des permanents. Et là, il faut dire qu'on a été désignés pour employer le mot noyauté, si vous voulez, enfin comme observateur au sein d'un mouvement qui s'appelait le MNPDG, le Mouvement National des Prisonniers. Enfin, il ne s'appelait pas encore tout à fait comme ça, qui devait plus tard devenir le MNPGD, dont François Mitterrand a été le directeur, le dirigeant. Et dans lequel militaient Dionis Mascolo, Marguerite Duras. Oui, mais eux étaient à Paris, alors que je ne les ai pas connus, parce que à la suite d'arrestation, j'ai découpé de ce mouvement. Mais enfin, je dirais tout de suite qu'on était là comme observateur. Ce n'était pas du tout pour saboter le mouvement. Au contraire, enfin, on était, il faut bien le dire, le Parti communiste avait des yeux et des oreilles dans tous les mouvements de résistance. Et on était là pour observer, pour à la rigueur infléchir un peu éventuellement les mots d'ordre dans le sens qui était jugé utile. Et nous n'avions pas de mauvaise conscience. Et nous pensions même que notre expérience de militant bolchevique, très prudent, très strict sur les affaires de discipline, ne pouvait qu'apporter une amélioration à ces mouvements. Et à quel moment vous regagnez Paris ? Alors, je regagne Paris en automne 1943. Et alors là, à la suite de l'arrestation, justement, d'André Ullmann, de Henri Canati, et arrestation à laquelle, auquel Edgar Morin a échappé de justesse, je me suis trouvé coupé du MNPGD, et par l'intermédiaire de Roger Vaillant, que j'avais connu à Lyon, avec Beaufray et dans tout ce milieu intellectuel résistant lyonnais, je suis entré au service de Daniel Cordier, qui était l'ancien secrétaire de Jean Moulin et qui dirigeait la délégation. Ce qui m'a permis... Et ensuite, j'ai rejoint alors le Parti communiste. Donc, j'ai eu un éventail assez,
assez complet d'activité sous l'occupation. En 1934, j'avais 13 ans, et Hitler est arrivé au pouvoir un an avant. Il y a eu les émeutes du 6 février à Paris. Aussitôt après, il y a le Front populaire, il y a la guerre d'Espagne, il y a la crise de la Tchécoslovaquie. Alors donc, le souci principal, évidemment, c'était où va ce monde ? Alors l'idée qui me guidait, c'était un, il faut que ce monde change, donc c'était vers le socialisme, il y avait différentes branches, il y avait trotskisme, socialisme, libertaire, etc. Et deux, il ne faut pas qu'il y ait la guerre, que ça ne devienne pas une boucherie comme en 1914. Donc j'étais plutôt pacifiste, et alors je fréquentais différents groupes, n'est-ce pas, pour voir ça, mais une chose, c'est que j'étais, tous ces groupes me donnaient une éducation anti-stalinienne, puisqu'ils dénonçaient les procès de Moscou, les crimes de Staline, etc. Donc j'avais rien qui me poussait vers le communisme stalinien. Et ce qui s'est passé, c'est que, j'avais le double bind, un sentiment vif de contradiction. Par exemple, quand Hitler revendiquait les Sudètes, qui, vous savez, appartenaient à la Tchécoslovaquie, étaient peuplés d'Allemands. Alors, du point de vue des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, je pensais que c'était juste que cette population allemande qui veut être allemande retourne à l'Allemagne. Et les répare cette injustice du traité de Versailles. Mais d'un autre point de vue, je voyais que ceci favorisait la volonté de conquête de Hitler et la puissance hitlérienne. Mais tous les événements qui se situaient étaient du même ordre, n'est-ce pas ? Quand il revendiquait même Danzig, Hitler, au moment où il va déclencher la guerre, Danzig était une ville allemande. Hein. Alors donc, je vivais un peu dans toutes ces contradictions. Et puis la guerre est arrivée. Je voulais surtout ne pas réagir en tant que juif. Je me disais, je ne vais surtout pas être anti-hitlérien parce qu'Hitler persécute les juifs. Il faut que je voie l'intérêt plus général, plus global de l'humanité. Et alors donc, j'avais même presque tendance de pousser dans l'autre sens, je veux dire que d'être pacifiste en disant oui, ces revendications sont justes, ou plutôt la guerre est monstrueuse, etc. Et donc, j'essayais d'éviter que ceci, disons, d'agir en tant que juif. Je voulais beaucoup plus agir en tant que citoyen du monde, même citoyen du monde dans le sens où une motivation strictement nationale n'aurait pas suffi pour me faire risquer la vie. J'avais besoin de sentir quelque chose qui était cette lutte de toute l'humanité. J'avais sans doute en moi une idée anthropologique très profonde en disant qu'il faut faire un grand sacrifice pour arriver à un grand bien, n'est-ce pas ? Genre sacrifice d'Iphigénie. Il faut dire qu'en plus, j'avais juste 20 ans et qu'au moment où je voyais la jeunesse de tous les pays du monde, n'est-ce pas, se lancer dans la bataille, parce que j'ai eu la tentation de fuir, de me planquer en Suisse, de rester dans un trou, etc. Mais je me disais, il faut tenter de vivre, c'est-à-dire il faut risquer sa vie. Et donc tout cet ensemble de raisons en fait que j'ai été entraîné d'abord par petits coups. J'ai participé avec un petit groupe communiste à des distributions de tracts, à des peintures sur pochoir. C'était les ancêtres du tag, n'est-ce pas ? Mais au lieu de faire des hiéroglyphes, on disait à Bas-Pétain, à Bas-Laval, à Bas-Larlève, etc. Bon. Et donc, avec mon ami Jacques-Francis Roland, j'ai fait le pas, c'est-à-dire qu'après avoir travaillé avec des communistes, je suis considéré comme membre du parti dans les étudiants gestes communistes. Et puis, donc, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au moment où nous autres, on allait passer dans les francs-tireurs et partisans, qui étaient contrôlés par le parti, il s'est trouvé que le hasard nous a fait connaître un résistant qui revenait d'un camp de Stalag 11B qui s'appelait André Ullmann et qui était plus ou moins sous-marin du parti et qui a dit à Roland, à moi, à Victor Henry, vous avez mieux à faire parce qu'il était en train de mettre sur pied un mouvement de résistance qui avait un caractère très original, c'est-à-dire que non seulement c'est un mouvement de résistance qui faisait ce que fait un autre mouvement de résistance en France, mais qui était branché sur l'Allemagne. Pas seulement pour envoyer des tracts et des faux papiers qu'on mettait dans les pots de confiture pour les prisonniers, mais aussi pour ceux qui travaillaient dans les usines allemandes pour essayer d'avoir
essayer d'avoir des renseignements sur la production industrielle, sur des choses comme ça, etc. Et moi, j'avoue que ce côté travail sur l'Allemagne me plaisait, parce que si j'étais communiste, si je consentais à ce que la propagande du parti soit très chauvine à l'époque, il y avait des textes comme « Abat le Bosch exécré », moi, mon honneur, c'est de n'avoir jamais écrit un moindre texte avec le mot « Bosch », ni d'avoir prononcé une parole pareille. Au contraire, moi, j'ai travaillé avec des antifascistes allemands qui étaient émigrés en France, et notamment Jean Crasat, qui était un ancien marin de Hambourg, qui avait fait la guerre d'Espagne, qui a été mon adjoint, en quelque sorte, qui s'est fait arrêter, torturé, mort à Paris. Donc, j'étais dans ce mouvement. Et ce mouvement a fusionné avec un autre mouvement d'origine prisonnier, qui était le mouvement qu'on appelait Pinault-Mitterrand, dont Mitterrand était le dirigeant. Et il s'est trouvé que, au cours de cette fusion, où il y avait trois mouvements, bon, on a créé un comité pour la région parisienne, responsable pour la région parisienne, et moi, j'étais responsable à ce qu'on appelait la propagande, c'est-à-dire essentiellement les tracts, les journaux clandestins et tous ces machins. Et je me rappelle, Georges Beauchamp, qui était du mouvement Mitterrand, m'a dit « je vais vous faire un beau cadeau ». Il parlait comme ça, il dit « je vais vous faire un très beau cadeau, un très beau cadeau ». Ah bon, très bien. Alors le beau cadeau, c'était Dionis Mascolo, qui devait être à ce moment-là donc mon adjoint et assistant. Et je me souviens très bien, donner un rendez-vous avenue Truden. J'étais avec mon vélo, parce qu'à l'époque, je circulais à Paris avec vélo. Je ne sais pas s'il avait un vélo, non, j'en sais rien. Et j'ai été très, très frappé, enfin il m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que je l'ai trouvé intelligent, beau et tout ça. Du reste, il m'a tellement frappé que quand je suis retourné, j'étais avec ma compagne Violette, je lui ai dit, il faut absolument que tu connaisses ce Mas, parce qu'il s'appelait Mas, sans plus. Il ne s'était pas trop foulé pour trouver un pseudonyme, n'est-ce pas, puisqu'il avait enlevé le colo, n'est-ce pas bon. À partir de ce moment-là, donc, je suis très content de cette relation avec Dionis, et je crois que je lui parle beaucoup, et que, bien que j'étais un communiste sous-marin, mais je ne cachais pas mes sentiments, du moins pour tous ceux qui étaient proches, ce qui fait que finalement, tout le monde le savait. Hein. Dans le groupement Mitterrand, tout le monde savait. Bon. Dionis lui-même n'était pas communiste à l'époque. Non, il n'était pas du tout communiste, et je crois moi-même que c'est moi qui... d'ailleurs, c'est un... qui donnait des arguments rationnels, je dis rationnels entre guillemets, n'est-ce pas, pour justifier, pour dire que c'était la cause grandiose, c'était la cause de toute l'humanité, que c'était ça, que l'important c'est ce qui allait s'ouvrir après la libération, etc., que c'était la cause de la culture, enfin, tous ces arguments-là. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui ai introduit l'idée d'adhérer au Parti communiste, qui après est venu chez Dionis, chez Marguerite, chez Robert. Et en plus, je crois que j'ai joui, peut-être directement auprès de Dionis, mais après, par la suite, auprès de Marguerite, je crois, enfin, une sorte de privilège extraordinaire du fait d'être juif. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas beaucoup rencontré juifs dans leur vie, enfin, pendant la résistance, on n'en rencontrait pas beaucoup, enfin, mais ça leur semblait quelque chose de tout à fait remarquable de faire partie de ces immolés, de ces victimes de l'injustice. Alors, communistes et juifs, c'était très bon pour eux. Comment mûrit-on-vous l'idée de vous engager dans la résistance ? Je risque de simplifier un peu, mais cet engagement dans la résistance n'a eu lieu qu'en septembre 43, vous voyez, donc tardivement. Et j'avais fait la connaissance entre-temps, au printemps de 43, de Robert Antelme. Ils habitaient déjà rue Saint-Benoît. Et c'est rue Saint-Benoît que un ami chrétien de Robert Antelme, ami commun de Robert et de François Mitterrand, lui a proposé d'entrer dans le mouvement de résistance de Mitterrand, le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Et nous avons adhéré ensemble, Marguerite, Robert et moi,
le même jour, en présence de Mitterrand et de cet ami, je crois, j'ai évoqué ce souvenir, l'odeur des fumées de cigarettes anglaises flottait dans la pièce, puisque Mitterrand était rentré depuis peu d'Angleterre avec une provision de cigarettes. Et quelles étaient vos motivations ? Pour moi, encore une fois, je risque d'être un peu auto-dépréciatif, mais à mon souvenir, c'était un peu comme en 40, la guerre avait été pour moi l'occasion d'éprouver ma lâcheté ou mon courage. Et là, c'était peut-être le goût de l'aventure. C'était l'aventure individuelle plus que tout motif métaphysique, politique ou moral. On peut pourtant parler d'une démarche collective, dans la mesure où Robert, Marguerite et vous vous engagez en même temps dans le même mouvement. Oui, eh bien, je crois que cela vient de le mouvement de l'amitié qui déjà nous liait, et peut-être que, en effet, nous étions incapables, et l'un et les uns et les autres, de procéder à un engagement pareil sans l'assistance des deux autres, aucun de nous, je crois. Je crois que nous formions déjà une sorte de trio très intime. Je ne sais plus trop ce que faisait Robert de son côté. Marguerite a très vite collaboré au journal clandestin du MNPGD. Quant à moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon goût de l'aventure m'avait poussé à tenter d'appartenir au groupe franc. Et d'ailleurs, j'ai accompli plusieurs petites actions avec le groupe franc, notamment dévaliser un bureau de tabac à Antony. Et voler une photocopieuse dans une officine ministérielle de la place des Invalides. Mais je confonds peut-être ici avec les activités que j'avais aussi dans le mouvement combat où m'avait fait entrer Albert Camus. Albert Camus qui d'ailleurs voulait me préserver, voulait m'éviter d'appartenir au groupe franc, il voulait me préserver du danger. Voilà, et au sein du MNPGD, et j'ai eu assez vite des rapports avec Edgar Morin, qui était déjà communiste, et alors là, c'était sur le plan de la propagande, c'est-à-dire que nous avons, là encore mes souvenirs sont un peu incertains, mais nous avons préparé ensemble plusieurs fois quelques textes qui étaient destinés au bulletin du MNPGD. Edgar Morin m'a appris que lui, communiste, ne connaissait que deux autres résistants. C'était la résistance communiste alors m'est apparue beaucoup plus sérieuse que la nôtre. Précisément à cause de telles précautions, c'est-à-dire que si Edgar Morin avait été arrêté, eh bien, sous la torture, il n'aurait jamais pu donner que deux noms, au lieu que nous aurions pu en donner 7, 8 ou 10. Comment votre engagement prend-il un caractère politique plus affirmé dans la résistance ? Ah, alors ça a été la révélation très, très, très brutale, qui est due, je crois, essentiellement à l'arrestation et la déportation de Robert. L'arrestation de Robert qui a lieu peu avant le débarquement, en mai 44. Et ensuite, bien sûr, la révélation, tardive quand même, la révélation, disons, des camps de concentration, pas des camps de la mort, hein, pas de la Shoah, pas d'Auschwitz, mais des camps de concentration qui étaient, à nos yeux, des bangs, les bangs
des ennemis de l'Allemagne hitlérienne. Oui, on a commencé à faire des différences entre ce qui était fasciste ou ce qui ne l'était pas. Quel était alors le sens de votre engagement dans la résistance? Pourquoi? Je ne suis pas engagé. Je suis arrivé normalement. Le premier acte de résistance. Il était énorme. Et on en est absolument. On n'en était pas responsable. C'est Michel Mitterrand qui est arrivé ici. Un jour. Il venait de Londres. Et il fumait des cigarettes anglaises. Et à un moment donné, je lui ai dit, attention, cigarette. On était embarqués comme ça. Le soir même, il dormait chez Robert. Il n'a pas quitté cette résidence à Paris. On n'a pas voulu. Je suis très sur ces points-là, de détails. Je suis très rigoureuse. On n'a pas été des héros. La résistance est venue à nous. Parce qu'on était d'honnêtes gens. Je pense que François a eu cette impression que Robert, Marie-Louise Anthelme et moi, Madame Anthelme, on était des gens à qui on pouvait se confier. Des liens affectifs avec eux, plus qu'avec d'autres. Mais si je les voyais si souvent, c'est parce que quand j'étais à Paris, j'habitais chez l'un de ses membres, c'est-à-dire Marie-Louise. Donc automatiquement, un tas d'actes de la vie quotidienne, le repas, promenade, me réunissaient à ces amis-là. C'était un centre de chaleur amicale, intense, des gens intelligents et cultivés, donc assez attirants. Et ça a duré après pour ceux qui ont vécu tout le temps de leur vie. Quand un groupe se constitue, on cherche toujours à définir le personnage central. Par exemple, dans le groupe des temps modernes, le personnage central, évidemment, c'est Sartre. Dans le groupe de la rue Saint-Benoît, il y a, me semble-t-il, plusieurs centres. Naturellement. Robert Anthelme en est un, Dionis Mascolo vous en est un, Edgar Morin a été aussi l'un de ses centres, Marguerite Duras, oui, etc. Quand l'un des centres n'a plus aucune signification, quand tout le monde est centre, il n'y a pas de centre, il y a une communauté. Oui, et c'est ça que nous appelions groupe. Ce que Claude, tout à l'heure, contestait l'emploi du mot groupe, disons alors la communauté. Bon, il y avait une sorte de communauté, comme on en parlera un peu à la légère après 68. Nous formions une sorte de communauté, comme il y en a eu quelques-unes, beaucoup plus préméditées, après 68, 69, 70, etc., elles étaient préméditées. La nôtre était très spontanée. Elle répondait à un besoin de chacun de nous qui était un besoin, encore une fois, négatif. Nous étions en permanence scandalisés par l'état du monde. Voilà, tout. Nous n'avions pas d'idée, mais simplement... ce qui existait nous dégoûtait. Tu étais un homme qui avait une idée toutes les minutes. Non. Non. J'avais des idées, et même non. quelquefois des non. idées fixes, non. très belles. Non. Ah, si, non. si, tu avais des idées. L'idée, non. Et au lieu d'idées, il y avait la négation de l'état de choses existant. Après, l'idée venait peut-être, à savoir, que peut-on faire pour supprimer ce qui existe? Mais ce qui nous scandalisait, c'était l'état de choses existant, enfin, l'état des choses. Voilà. Là, je suis sûr de ne pas me tromper en reconstituant ainsi notre état de conscience de l'époque. Nous étions scandalisés
par ce qui existait. Voilà. Ce qui avait existé pendant la guerre, ce que nous apprenions qui avait existé pendant le nazisme, etc., mais aussi ce qui continuait d'exister avec la bourgeoisie gaulliste qui avait remplacé le pétainisme, etc. Nous étions dans un état d'indignation permanente. Voilà. Ce qui était peut-être névrotique, comme diraient certains psychanalystes. Mais laissons les psychanalystes à leurs analyses. C'est une belle fin. Nous étions dans un état d'indignation permanente. C'est vrai. On était ensemble et on parlait toute la journée. Alors, on allait parfois au Flore, où le cercle s'élargissait un petit peu, on parlait avec d'autres gens. Et puis c'était une époque un peu d'avant la guerre froide, intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y avait des rapports assez amicaux avec les gens des temps modernes, avec Bertrand du Merleau-Ponty. Bon, Sartre c'était distant, mais enfin il n'y avait pas d'inimitié particulière. Il y avait un peu, comme je dis, un peu pas d'atome crochu pour Simone de Beauvoir et Marguerite, et puis, enfin il n'y avait pas. Comme la rue Saint-Benoît était extrêmement ouverte, ce qui fait que des gens arrivaient pratiquement à toute heure, mais enfin dans l'après-midi, et puis ils s'installaient. Alors Marguerite les accueillait parce qu'elle avait un sens de l'accueil comme ça tout de suite. Bon, je ne sais pas si c'était du thé, du café ou des boissons ou je ne sais pas quoi. Et voilà, Tipa, qu'on était tous à discuter, à moitié affalés, etc. Et en fait, le groupe ou le cercle, dans son sens un peu élargi, il se crée à ce moment-là et il s'est créé un phénomène d'attraction et de satellisation. Parce que des tas de gens venaient, ils étaient très contents de trouver un lieu où on discute, un lieu où on parle, où on est bien accueilli, où il y avait une fraternité. Donc c'était surtout cette parole, n'est-ce pas, qui allait, ces discussions. Et ce qui était très bien aussi, c'est qu'on s'engueulait beaucoup. On s'insultait amicalement, je veux dire, dans le sens tu déconnes, t'es qu'un con, etc. Enfin, mais tout ça faisait partie, au contraire, il y avait rien qui restait dans l'ombre, il n'y avait pas de non-dit qui n'était pas dit, il n'y avait pas de. Et puis on allait chez les uns, chez les autres, c'était comme ça. Enfin, je dirais que c'était un peu comme ce titre du film italien, Nous nous sommes tant aimés, n'est-ce pas, enfin, on s'aimait. Je crois que c'est ça, au centre de ça. Là-dessus venaient des gens qui étaient séduits par ce climat justement non conventionnel d'amitié, d'ouverture et qui est entré dans le système, comme Jacques-Francis Rolland, qui était tout à fait séduit pour des raisons tout à fait diverses, par Marguerite, par Dionys, par Robert, puisque Rolland était mon copain de résistant. Des gens venaient comme ça dans une... Et bien entendu, il y avait toujours un lot, cette idée... qui n'était pas seulement le communiste, parmi des gens qui étaient des fidèles, il y avait des gens qui n'étaient pas du parti, qui faisaient partie un peu de cette frange, pas progressiste, comme on disait bêtement à l'époque, mais enfin, bon, Merleau-Ponty pendant un temps, bon. Il y avait tout un univers donc assez large. Alors moi, je dirais, je mettrais au noyau de tout ceci ces affinités très très profondes. Enfin, je vois un peu différent de la façon dont le verra sûrement Dionys, qui voit beaucoup plus une sorte de serment des Horaces, enfin comme si c'était un groupe de gens unis par la volonté inébranlable de lutter à jamais pour le communisme critique, ouvert et libéral. Quoi. Dans les petites réunions du groupe de la rue Saint-Benoît, comment Robert Antelme se comportait-il? Est-ce qu'il intervenait? Ou est-ce qu'il restait en retrait? Comment était-il? Ni en retrait, ni intervenant trop, parce que vous savez, d'abord, c'était des gens brillants. Hein. Quand Dionys Mascolo commençait à exposer une idée qu'il venait d'avoir depuis quelques jours, ou une idée qu'il avait tournée, retournée depuis des années, ou quand Edgar Morin lui donnait la réplique... et que ça devenait une dialectique éblouissante entre les deux, Robert attendait comme avec sagesse 20 minutes avant de placer un mot, et moi aussi. Moi je me taisais d'ailleurs, parce qu'ils étaient ébouriffants de virtuosité intellectuelle.
Mais virtuosité intellectuelle pourrait faire croire que c'était froid et cérébral et glacé. Non, c'était, il y avait cette chaleur communicative de l'intelligence et puis il y avait cette espèce de, d'espoir envers et contre tout. Robert avait eu ce mot admirable, il avait dit « Le Parti communiste n'aura peut-être pas réussi à créer un homme d'un type nouveau, mais il aura créé un con d'un type nouveau. » Nous étions toujours partis en guerre contre les cons de type nouveau qui pullulaient autour de nous, mais dont nous pensions que nous allions les réduire à la raison, les faire taire ou les rendre sages et intelligents. Dans ces années 45-49, est-ce que Marguerite Duras participait à vos discussions politiques ? Elle participait sûrement à nos discussions politiques, mais c'est drôle parce que j'ai des tas de souvenirs de Marguerite, mais c'est pas dans ces moments-là qu'elle reste présente aux yeux de la mémoire pour moi. Je ne veux pas dire du tout que Marguerite était peu brillante dans la discussion. Je crois qu'elle était très maligne, très intelligente, mais c'est pas non. Je crois que là tout de même les ténors c'était Dionys. Voilà, la grande scène du 2 était chantée par deux ténors, Dionys et Edgar. Robert intervenait avec beaucoup de précision, de douceur. Et puis les autres entraient dans le jeu, et c'était Marguerite, c'était moi, c'était JFR quand il était là, c'était Gilles Martinet, c'était des... Mais c'était ça, les deux meneurs de jeu, les deux meneurs du jeu intellectuel et de l'acrobatie dialectique quelquefois, c'est ceux-là. Mais dans nous, dans votre autobiographie, vous dites que Marguerite était la reine de la ruche. Ah ben, elle était la reine de la ruche d'abord parce qu'elle était, notre petite reine, en effet, dans la maison et dans la vie, et parce qu'elle était, elle participait aux discussions, mais elle participait aussi à la cuisine beaucoup plus que nous. Elle participait à la marche de la maison. Elle était un bon écrivain, une bonne intellectuelle, une bonne militante et une bonne cuisinière. Ça, c'est un des souvenirs merveilleux que je garde. C'était Marguerite préparant dans sa cuisine, faisant cuire dans sa cuisine le riz que lui envoyait sa mère, qui était en Indochine, parce que n'oubliez pas qu'à cette époque, il y avait encore des restrictions alimentaires, et la mère, pour parler comme Marguerite, envoyait des sacs de riz assez impressionnants. Et alors Marguerite nous préparait la tambouille, et puis quand le riz ou les choses étaient en train, elle courait dans sa chambrette, là où elle avait sa machine à écrire, et puis elle tapait à la machine. Parallèlement à son rôle de militante et d'écrivain, Marguerite aimait recevoir. Et on peut dire que rien ne se passe. Quand quelqu'un d'intéressant venait chez Gallimard, un nouvel auteur étranger, Marguerite aimait bien l'inviter. Je me souviens d'un auteur américain, Chandler Brossard, là, qui était venu. Où il y avait un jeune Italien. Alors, tu sais, il paraît que c'est très bien, hein, qui s'appelle Calvino. On dînait avec Calvino. Vous voyez, c'était... Il y avait un côté salon, au beau sens du terme, la tradition des salons littéraires où les gens se rencontrent. Alors là, dans ce salon, on défilait tout ce qu'on peut imaginer comme écrivain, comme peintre, comme artiste. Et disons, parmi les gens qu'on voyait le plus souvent, c'était Queneau, Léris et Bataille. Marguerite Duras semble rester à l'écart des joutes politiques qui vous opposent rue Saint-Benoît. En quoi sa présence marquait-elle le groupe ? Bon, tout d'abord, c'est vrai que Marguerite était à l'écart des joutes politiques, encore que ce soit elle qui, avant Dionys et Robert, est adhérée au Parti communiste. Donc elle avait fait cet acte qui allait sûrement influencer Robert et Dionys. Mais je crois que, quand j'ai parlé du groupe de la rue Saint-Benoît comme d'un groupe lié par quelque chose d'affectif, par quelque chose de... avant d'être lié par des idées communes ou des refus communs, alors là, je crois qu'il faut mettre au centre, disons, Marguerite, parce que
au noyau de tout, il y a Marguerite. Au noyau de la relation entre Robert et Dionys, il y a Marguerite. Pour d'autres gens, pour moi, par exemple, Marguerite jouait un rôle de fascination, d'attraction. C'était un personnage qui avait une aura très forte. Jacques Francis Roland, Claude Roy, enfin, etc. Beaucoup de gens en étaient très attirés par Marguerite. Alors, donc, c'est un peu, disons, comme le soleil noir des astrologues, n'est-ce pas? En réalité, c'est elle qui était au centre, mais invisible du point de vue idéologique ou philosophique. C'était comme une maison initiale, quoi, de la première parenté pour les enfants. Et ça, je pense que ça... Peut-être même à titre de prémonitoire, ça nous a fait entrevoir ce que pouvait être le communisme. L'entente commune, quoi. À partir de la vie, tout simplement. Aucun problème de classe, aucun problème de... Même si je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient pas... qui étaient gaullistes, qui étaient pas du tout partie prenante du communisme. Sont venus ici comme ça, parce que l'endroit était renommé comme un endroit très, très accueillant, très bon, très, très généreux. Qu'est-ce que ce lieu représentait pour vous? C'était un lieu d'amitié, un lieu d'éducation sentimentale, un lieu de passion, de débat politique? C'était un lieu d'apprentissage de la liberté, dans l'accueil fait par chacun à l'autre. C'était un lieu extrêmement privilégié. Un groupe tel qu'il n'en existe pas finalement dans nos sociétés, qui n'en a plus existé après, à ma connaissance. C'était un lieu dans lequel chacun donnait, pour ainsi dire, son espoir à partager à l'autre, ses intérêts spéculatifs de pensée à partager à l'autre, ses intérêts culturels à partager à l'autre. Je veux dire que c'est un lieu de partage, et de réciprocité, animé cependant par je ne dirais pas une armature idéologique commune, mais par un projet d'avenir commun pour cette société qui sortait de la guerre et de toutes les horreurs qui y ont été vécues. C'était ça, la rue Saint-Benoît. C'était finalement un lieu de passage. Un lieu de passage, je veux dire, passage de l'horreur à l'espoir. C'était ce moment. Ce moment de passage, cette communauté qui assumait, à un moment donné, l'espoir du passage. Spirituellement, ce qu'on a réussi, c'est de jamais se brouiller vraiment. On s'est beaucoup disputé, on s'est beaucoup chamaillé, on s'est beaucoup opposé, on s'est beaucoup frotté les uns aux autres avec quelquefois de la rage et de l'agacement, mais on est resté amis, on s'est... Et je crois que l'amitié, c'est pas... Je crois que c'est comme l'amour, c'est pas se regarder les yeux dans les yeux, c'est regarder ensemble la même chose, c'est regarder ensemble. Et on a tous continué tout le temps à essayer de regarder, est-ce que je peux employer un mot usé, flasque, un peu bêta, mais on avait un idéal.